Samantha, laissez un message. Va te faire foutre, Jason. J'en ai vraiment marre de tes conneries. Et me rappelle pas, ok? Les autres. Il les a tous tués. Il a tué tout le monde. T'en fais pas. On va s'en sortir. Je te protégerai de lui. Cours ! Et qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux qu'on rentre en ville avec ce malade qui nous court après ? On n'aura pas à marcher. Mettez vos mains en évidence. Tom, restez où vous êtes et mettez vos mains en évidence. Tom, tu commets une grosse erreur. C'est agent Carter pour toi, espèce de vaurien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es blessé? Est-ce que c'est lui qui t'a fait du mal? Non, c'est pas lui, c'est un homme. Et il nous pourchasse. Il vous chasse? Vous devez nous sortir de là. Tom, s'il te plaît, tu dois nous croire. Je vous en prie.
D'accord. Ça va, mais vous montez derrière en attendant que je règle ça. Merci beaucoup. Je suis désolé si par le passé... Jason, j'ai pu... On était enfants à l'époque. Et puis t'es pas encore tiré d'affaire. Ah, c'est pas vrai! C'est lui là-bas! Tom, ramène-nous en ville! Remontez dans la voiture et tirons-nous d'ici! Jetez vos armes et levez les mains! Je vous ai dit de jeter vos armes! C'est bizarre. C'est pas vrai, Tom. Je t'avais dit de monter dans la voiture. On fait quoi, maintenant? Il faut qu'on s'en aille. Attention au bout de verre. Non, Jason. Attends, tu vas faire quoi? Je vais chercher les clés. Où sont les autres? Ils ont disparu, Mike. Ils ont tous disparu? Comment ça, ils ont disparu? Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es blessé? C'est pas mon sang que tu vois. C'est celui de Lizzie, de Maggie, de Tony, de Carl, de Jamie, de Ron, de Stephanie. Putain, sérieux, de quoi tu parles, là? Il a tué tout le monde. Il les a tous tués. Il a tué tout le monde? Qui ça? Le soudeur. Qui c'est, ce putain de soudeur? C'est... Ah, c'est lui. Putain, c'est quoi, ça? Je crois qu'il va péter des côtes. Et il nous fera bien pire s'il s'approche. Pas longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait? Viens tenir la porte. On compte jusqu'à trois. Et tu ouvres la porte. Laisse-le entrer. T'es complètement taré. Je vais lui faire éclater sa putain de tête. Non, attends. Tu vas pas écraser la tête de ce malade. Ce fils de pute m'a pété le côte, putain. C'est moi qui vais te faire péter la tête et lui apprendre qu'on se fiche pas de moi. Et quand Salo montrera son visage, c'est moi qui t'aimera avant de rendre. Thank you.
T'attends. Finis le travail. Samantha, ne me tue pas. Samantha, c'est moi. Fred. Fred? Oui, Fred, tu te souviens de moi? Fred, je suis ton voisin. Tous les deux, on se connaît depuis qu'on est gosses. On jouait tout le temps ensemble. Tu te rappelles? Tu étais la princesse et j'étais ton serviteur. Je devais porter tes affaires. Je t'en prie, Samantha, pitié, pitié. Il faut que tu me croies. On est venus tous ensemble pour passer le week-end. C'est mes parents qui nous ont prêté le chalet pour qu'on se repose quelques jours avant qu'on reprenne les cours. On a passé un super week-end et puis quelque chose est tombé du ciel. Hé, hey, hey, les amis, on va voir ce que c'est que ce truc. Ouais. Vous venez? Ah, t'as vu je ça? Je me demande ce que c'est ce truc. Bah, carrément, moi. C'est tombé par là. Moi, je voulais pas qu'on y aille. Mais les autres étaient trop curieux. Alors on est allé voir ce que c'était. J'ai essayé de les convaincre de partir,
que ça pouvait être dangereux et qu'il fallait laisser faire les scientifiques. J'emmerde les scientifiques. A-t-il répondu. Et il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai réussi à m'échapper. Je savais ce que je devais faire. Tuer chacun à leur tour. Il fallait que je les arrête avant qu'ils retournent au chalet et qu'ils contaminent tous les autres gens autour d'eux. S'il reste quelque chose d'humain au fond de toi, tu vois.
rentrer dans un cinéma. Non, bien sûr qu'il y a... Alors viens, t'as envie toi aussi. Non, David, quelqu'un pourrait nous voir. Sois pas bête. Ce sera excitant. On y va. J'ai perdu juste une minute. Oui, on se téléphone plus tard. Toi aussi. Ma chère mère, tu vas l'adorer. Du champagne. J'entrais dans le beau monde. Non, le beau monde avait besoin de quelqu'un comme toi. À nous deux. Quoi? J'ai rien dit. Tu t'es vue dans un miroir. On devrait commander le dessert et faire la fête. Il faut que t'arrêtes avec ça, Anna. Si on parlait d'autre chose. Le moment est venu de laisser cette obsession derrière toi. Je suis pas la plus belle fille avec qui tu sors, David. Avec cette... Je vois pas du tout les choses comme ça. Je t'assure que tout le monde voit les choses comme ça. Ça fait rien, laisse-moi savourer l'injustice. Il ne faut pas surestimer le regard des autres. Notre imagination nous joue des tours parfois, Anna. Je voudrais que tu sois aussi heureuse que moi. Le fait d'officialiser les choses entre nous, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. À moi aussi. Tout à l'heure, quand j'ai parlé à ma mère, elle... Elle a dit que tu pouvais voir avec elle pour de la chirurgie esthétique. Tu... Est-ce que t'as parlé de mon visage à ta mère? Je suis désolée, je... Ma mère a déjà fait ce genre de choses. Elle sait ce qu'on ressent. Mais... T'es tellement beau. J'imagine qu'elle est très belle, elle aussi. Elle l'est maintenant. Elle est... extraordinaire. La vie est trop courte pour penser au regard des autres, Anna. Et je paierai s'il le faut. Tu te sentiras mieux quand tu l'auras fait. Anna. Le docteur Liner va vous recevoir. Je vous en prie. Je crois savoir comment vous faire plaisir, Anna. Vous savez, je crois pas au miracle, docteur. Je vais me marier et je voudrais être... Fabuleuse sur les photos, j'entends ça à longueur de journée. J'ai travaillé sur la merveilleuse mère de David, vous l'avez peut-être vue. Non, pas encore. Vous aurez du mal à croire, attendre... de beauté quand vous la verrez, sans me lancer de fleurs. Vous êtes toujours si modeste. C'est un véritable artiste. Dites-moi, que vous est-il arrivé? Un accident de voiture. J'avais 2 ans et je me souviens de rien. Sauf du regard des autres pendant toute ma vie. Vous n'avez jamais envisagé de vous faire opérer? C'était difficile, financièrement. Je pense sincèrement qu'on peut éliminer 85% de cette marque. Vous êtes sérieux? Oui. Vous oublierez qu'elle a existé. Et si vous le voulez, puisque nous y serions, je pourrais aussi faire d'autres modifications pendant l'anesthésie. Toutes les femmes rêvent de le faire.
Je voudrais être belle pour David, c'est vrai. Je serais d'avis de réduire les ailes du nez. Et on pourrait élargir votre menton et vos pommettes pour bien équilibrer votre visage. Vous croyez ? Tout dépend où je mets le comblement cutané, très cher. Je préfère souvent l'injecter à l'intérieur des joues. Ça donne plus de volume sans boursouflure. Vous allez adorer cet effet. En ce qui concerne votre décolleté, je propose quelque chose de mieux proportionné. Voilà, je sais exactement ce qu'il vous faut, Anna. Vous êtes partante ? Et quand est-ce qu'on pourrait commencer ? On est ici pour réaliser vos rêves les plus fous. Est-ce que ça vous irait lundi prochain ? Déjà, aussitôt. Pourquoi attendre ? On peut faire tout de suite des tests préopératoires si vous le souhaitez. Et on irait dans quel hôpital ? Vous y êtes déjà. Les opérations et les convalescences de nos patientes sont toutes assurées ici. C'est oui ? Tant mieux. Très bien. Alors, avez-vous d'autres questions ? En dehors de la cicatrice, je me demande si je prends la bonne décision. N'est-ce pas de la vanité ? Bien. Vous vous posez trop de questions. Non, pas toujours. Si, je m'en pose trop. Oui, vous prenez la bonne décision et non, ce n'est pas du tout de la vanité. Est-ce que ça va me faire mal ? Oui, mais on vous donnera ce qu'il faut pour le maîtriser. C'est normal de souffrir un peu dans ce genre de cas, d'une façon ou d'une autre. Vous êtes philosophe. Je crois qu'on va très bien s'entendre. Oui, mais je... Anna, vous ne redouterez plus jamais un miroir de votre vie. Et votre cher David sera l'homme le plus heureux du monde. Dormez bien, Anna. On s'occupe de tout. Votre beau fiancé est dans la salle d'attente. J'aimerais bien en avoir un comme lui. Commencez à compter de 10 à 1, Anna. 10. 9. 8. 6. Scalpel. Comment va notre patiente préférée ? Hé ! Le docteur Liner a donné des instructions pour qu'on change les drains toutes les 2 heures et ce qu'il faut pour ne pas souffrir. Oh, je vous ai mis de l'antidouleur en perfusion. Et vous n'hésitez pas, d'accord ? Vous avez un bouton d'appel près de vous. Tout s'est très bien passé, Anna. Je vous laisse un peu d'intimité entre amoureux. Le docteur passera vous voir dans quelques minutes, d'accord ? Non, n'essayez pas de parler tout de suite, pour les points. La villa de Saint-Barth, elle est à nous, avec notre chef personnel. Oh non, 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 ne dis rien, ma chérie, ne dis rien. Je t'aime. Je rêvais de nous deux.
Oui. Non, je suis d'accord. Je vais lui parler. Anna, je suis très content que tout se soit bien passé. Mais nous avons un tout petit souci concernant vos niveaux d'oxygène. Vous n'en avez pas assez. Ça arrive parfois dans des cas d'opération du nez. Alors, si on remettait tout en ordre, je voudrais vous opérer à nouveau demain matin. Vous serez sur pied très rapidement. C'est assez habituel. Simone, l'infirmière, sera là toute la nuit. Elle vous donnera ce qu'il faut pour ne pas souffrir. Et j'ai programmé votre nouvelle intervention, mais elle m'appellera s'il y a quoi que ce soit. Vous êtes entre de bonnes mains. J'ai fait un rêve magnifique. Mais il finissait de façon étrange. Vous étiez là. Vous savez, quand on est sous anesthésie, l'esprit nous joue souvent des tours, Anna. Quand j'ai subi ma première intervention esthétique, j'ai cru que j'étais mort et j'ai vu Dieu. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il faisait mon travail. Je vous retrouve demain matin. Essayez de dormir. Et ne vous inquiétez pas. D'accord ? Je voudrais téléphoner. Le médecin ne veut pas que vous parliez ce soir. Le téléphone est coupé. Autre chose. Et le miroir. Vous en aurez un demain. Essayez de vous reposer. Clinique Mirari, ici l'infirmière Simone. J'arrive tout de suite. Du fiancé David Resnick a besoin d'une autre intervention à pratiquer tout de suite. Il ne faut pas surestimer le regard des autres. Oh.
Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Anna, pourquoi êtes-vous sortie de votre chambre? Que vous n'aviez pas été sage. Il faut vous détendre et tout se passera très bien. Plus fort l'anesthésie, infirmière. Doucement, Anna, ok? Je tu suis m'as là. Menti. Tu voulais plus. C'était ton idée. Anna, il faut te détendre. D'accord? Ma mère est là pour te voir. Je vais la faire entrer. D'accord? David. Oh, bienvenue dans la famille, chérie. Oh, elle est très jolie. Elle est juste merveilleuse. David. David, où es-tu? Vous êtes qui? Moi, je suis le projectionniste, ma petite chérie. Je suis le gardien de 100 ans de cauchemars qui sont gravés sur un grand écran pour qu'on ne les oublie jamais. Qu'est-ce que vous me voulez? On dit de moi que je suis un collectionneur de morts, et je vais adorer regarder la vôtre.
Il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Je suis le projectionniste. Bienvenue dans mon cauchemar. Moi, j'ai peur. Je suis là. N'aie pas peur. Tu es en sécurité ici. Tu vas prendre ça. Tu as besoin de dormir cette nuit. Tiens. Très bien. Et n'oublie pas, je suis toujours près de toi. D'accord ? Allez, je te ramène dans ta chambre. S'il te plaît, je peux dormir avec toi. Non, j'ai du travail à faire. Mais je te verrai sûrement demain en classe, ok? D'accord? Tu sais que je t'aime, ma chérie. Ouais.
qui est là. Je m'inquiète pour Danny. Le suicide de Peter a été terrible pour tout le monde. Et j'avoue que j'ai eu peur. Vous croyez que... Ma sœur, arrêtez. Ce sont des enfants. Ils sont très forts. Ça ira. Nous l'affronterons ensemble. Danny, t'es triste, t'es trop triste. Arrête, arrête. Ça suffit. Tu vas faire quoi, le dire à maman? Recommence pas, s'il te plaît, Tania. Stop, s'il te plaît, je suis le bébé à sa maman. Hé, hey, t'en vas pas comme ça. Abaddon, le destructeur. Abraxas, la porte entre deux mondes. Machit. Machit. Une entité de l'enfer chargée de punir ceux qui commettent des actes de luxure ou d'inceste. Il a pour mission de torturer les enfants et de les conduire au suicide. Qu'est-ce que vous faites, Isidar? Mon père. C'est Machit. Non. Si, c'est Machit. Il est en train de torturer Danny et les autres enfants. Pourquoi eux et pourquoi maintenant? Je l'ignore. Ils sont en danger. Je vous en supplie.
Alors, c'est ma shit. Peter ? Est-ce que c'est toi ? Ma sœur. Vous me manquez. Vous me manquez aussi, père. Et toutes les choses qu'on faisait ici. Tous les deux. Devant la croix de notre Seigneur, que toutes les forces de l'ennemi sortent de ce corps. Je te conjure de le libérer, Satan. Quitte ce serviteur de Dieu, Peter. Quitte ce serviteur de Dieu. Quitte, Peter. Il est en elle. Vous devez la tuer, sinon il sera trop tard. Vous devez la tuer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que vous faites ? Délivre-la ! Montre ton visage, démon ! Dites-la ! Démon ! Montre ton visage, démon ! Qu'est-ce que vous lui faites ? Ne nous interrompez pas! Le démon est en elle! N'importe quoi! Un exorcisme et vous êtes devenu fou, quoi! Viens, c'est ma fille! Fais tes bagages, ma puce! Ce n'est pas Danny, mon père. C'est pas Danny. Seigneur des ténèbres à travers moi, qu'il en soit ainsi. Dieu, aide-moi, je t'en supplie. Thank you.
maintenant? Il y a quelque chose qui cloche. Je marcherai par la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Thank you.
demain sera un autre jour. Bénissez-moi, Seigneur, parce que j'ai péché. Et c'est pourquoi nous sommes là. Excusez-moi. 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 Mon rendez-vous était à 15h. Désolée, le docteur Salvador a du retard. Maman, qu'est-ce qu'elle a dit ? Encore quelques minutes. Et tu la crois ? Elle nous l'a déjà dit il y a une heure. Ouais, il y a une heure, ok ? Encore quelques minutes. Maman, je meurs de faim. On dirait qu'ils t'ont oublié. Ne sois pas ridicule, chérie. Je viens de parler à la réceptionniste, elle a dit dans quelques minutes. Et tu la crois ? Tu ne dois pas me répondre, Eric. Quoi ? J'ai juste dit tu la crois. Tu ne devrais pas répondre, c'est mal poli. Bon, d'accord. Ce n'est pas mon genre d'insister, mais mes enfants... Encore un peu de patience. Qu'y a-t-il encore ? Je me disais que si ce n'est pas le bon moment, je... Pas du tout. Il n'y a que vous en salle d'attente. De toute façon, le cahier de rendez-vous est fermé, je ne peux pas vous décaler. On vous a fait une fleur et vous avez dit que c'était pour une urgence, n'est-ce pas ? Oui. Alors pourquoi voulez-vous annuler le rendez-vous ? Je suis désolée. Maman, faut que j'aille chier aux chiottes ! Ne dis pas ce mot, voyons. Maman, faut que je fasse popo ! Je peux l'accompagner ? Non, non. Vous n'allez nulle part sans moi. Même pour aller aux toilettes ? Non, même pas là. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas cet endroit. Oui, d'accord. Le docteur va vous recevoir. Arrête, maman. Plus vite, s'il vous plaît, il vous attend. Entrez. Asseyez-vous. Quand vous avez téléphoné, vous avez dit que quelque chose vous faisait peur. Oui. Pourquoi avez-vous peur ? Je sens que des choses changent. De quelle façon ? Elles sont différentes. Différentes, vous dites ?
Quand avez-vous noté ces changements pour la première fois? C'était hier matin. Tout allait de travers hier matin, et ensuite ça allait mieux, et puis ça allait mal à nouveau. Avez-vous parlé de ces changements à votre mari? Je n'ai pas de mari. Enfin, j'avais un mari, mais il est parti il y a 2 jours. Mon mari n'a rien à voir avec ce problème. Les personnes qui vous entourent ont-elles changé, à votre avis? Répondez à la question. Les personnes qui vous entourent sont devenues méchantes? Oui. Vous avez hésité, vous n'en êtes pas sûre? Non, j'en suis sûre. Oui. Comment vous le savez? Vous l'avez vu, vous aussi? Si vous me parliez de vos enfants, avez-vous constaté des changements similaires chez eux? Non, non, pas chez eux. Pas chez eux, rien chez mes enfants. Ils sont aussi normaux que moi, aussi normaux que vous. C'est eux qui m'ont traîné ici, vous voyez? Quel âge ont-ils? 9 et 11 ans. Et c'est eux qui vous ont emmené ici? C'est ça. Il y a eu des moments ces derniers jours où ils paraissaient bien plus mûrs qu'avant. Plus matures? Oui. Ce matin, quand j'ai trouvé... Continuez. C'est Eric qui a trouvé votre numéro, il m'a forcé à vous téléphoner. Et cette soudaine maturité est le seul changement que vous avez constaté chez eux? Oui. Ça ne durera pas d'habitude, et ce sont de vrais enfants. Parlez-moi des autres, des gens en dehors de vous et de vos enfants. Est-ce qu'ils se comportent de manière étrange, eux aussi? Eh bien, oui. Ces changements se sont-ils accélérés à 4 heures? Oui, en effet. Est-ce que vous diriez que vous êtes suicidaire? Oui, qui est-il? Vos collègues vous attendent. Merci. J'ai une réunion avec des agents de terrain, mais je voudrais vous revoir demain. Demain? On ouvre à 9h, mais soyez là à 8h30. Mais... demain, 8h30. Il y a un problème. Vous m'avez demandé si j'étais... On en discutera demain matin. Merci, au revoir. Dites-le-moi! Si je suis dingue, allez-y, dites-le-moi! Ce serait tellement plus facile si quelqu'un... S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Quoi encore? Vous savez où sont mes enfants? Quels enfants? Mes enfants. Désolée, chérie. Je n'ai vu aucun enfant ici. Chris?
Essaie. Je cherche mes enfants. Ils ne sont pas venus ici. Je vous ai posé une question. Pourquoi vous faites semblant de m'ignorer ? Deux petits garçons. Je cherche deux petits garçons. Est-ce que vous avez vu mes deux enfants ? Deux enfants ? Quels enfants ? C'est la faute de personne. Une perte de sens de la réalité n'est jamais juste ou injuste. C'est un fait. Ça arrive et c'est tout. C'est à nous de l'affronter avec tout notre bon sens. Vous croyez que le départ de son mari a causé ça ? C'est possible. Vous avez lu l'étude du docteur Pico sur les bons traumatismes ? Non. Lisez-la. Si vous voulez faire carrière sur le terrain, vous devez connaître cette littérature. Je pense quand même que ce serait mieux de la faire remonter. Oui, d'accord. Mais comment on va faire ? On ne sait même pas de quelle réalité elle vient. Ça, on le trouvera sûrement. On sait qu'elle a été mariée et qu'elle a eu deux garçons, Eric et Chris.
On sait qu'elle les aimait. Non, ça t'en sait rien. Mais ça se sent. T'as vu comment elle nous regarde? C'est pas pareil quand elle regarde autre chose. Elle voit les enfants qu'elle a laissés derrière elle. Elle me l'a dit quand nous nous sommes parlé. Elle a dit que j'étais normal. Je pense qu'elle n'a entendu qu'une partie de ce que je lui ai dit. Elle a des hallucinations auditives et visuelles. Est-ce que vous êtes sûr que le suicide est la seule solution? C'est la plus pratique. Il y a une toute petite chance, en théorie, qu'elle remonte la pente et s'en sorte. Ça s'est déjà produit, mais il lui faudrait une dose de résilience qu'elle n'a pas. Alors on doit la tuer? Non. Il faut qu'elle se suicide. Nous sommes des médecins, pas des meurtriers. Et elle est où maintenant? Juste derrière la porte du couloir, en train de nous écouter. Vous plaisantez? Ouvrez la porte et vous verrez bien. Je l'ai entendu bouger. Absolument génial, chérie. Grandiose, mon fils. Vraiment génial. Le meilleur est de loin. C'était pas une compétition, papa. C'est là où tu fais erreur. La vie est une compétition. Et n'oublie jamais ça.
Au fait, c'est qui le compositeur? C'est un jeune ou un vieux? Il est jeune. C'est un Européen? Un Américain. Je l'ai écrit, papa. Oui. Attends, c'est toi qui l'as écrit? Oui. Waouh, c'est drôlement bien. Pour un Américain. C'est bien que tu sois venu, papa. Je l'aurais manqué pour rien au monde, fiston. Sortez de la caisse! Oh, oh! Hé, cette patte de fou, moi, sors de la caisse! Hey! Ça suffit maintenant, tout le monde se calme! Faites la oui, caisse! D'accord, d'accord! Toi aussi! Ne faites pas de mal à mon fils! Dégage! Oh, recule un peu! D'accord! Et me regarde pas! Allonge-toi par terre! Qu'est-ce que vous voulez? Allonge-toi par terre, me regarde pas! Pitié, Riley! Je vous en supplie, ne faites pas de mal! Tout va bien, mon cœur. Je suis avec toi. Eh bien, regardez qui se réveille. Tu m'entends, petit ? Fais-moi un signe de tête si tu m'entends. Parfait. Où est-ce qu'elle est, ma mère? Est-ce qu'elle est encore là? Non, non, ta mère n'est pas ici. Elle est rentrée à la maison. Mon garçon, tu dois te reposer. On parlera plus tard, d'accord? Je suis seulement content qu'elle soit encore en vie. D'accord. Et mon père? Il est... Il est mort, hein? Pas maintenant, Riley. Parce que j'avais peur qu'il les ait tués tous les deux. Repose-toi, on en reparlera plus tard. Allez, maintenant ferme les yeux. Et repose-toi, c'est le plus important pour l'instant. Thank you.
Monsieur, peut-être que vous devriez vous recoucher, monsieur. Vous allez vous faire mal. Qu'est-ce que tu fais debout dans ce couloir? Tu devrais être dans ton lit. C'est cet homme, celui qui a tes poings partout. Des tas de gens en ont dans l'hôpital, mais je vois pas de quoi tu parles. Il était juste là. Les médicaments te font faire des cauchemars. Ramène tes petites fesses au lit et vite fait, jeune homme. Ah. Je suis désolée. C'est bon, je veux pas tes excuses. Je veux que tu restes tranquille. T'as de la chance d'être en vie, mon garçon. Va te coucher, Casey. Y a rien d'intéressant à voir ici. Allez. Oh, ça y est. On approche. On y est presque. Tout va bien. Allonge-toi sur le lit. Voilà. Comment il est arrivé là? Ok. Alors. Riley. Maman. J'ai cru qu'il t'avait tué. Je suis là, mon cœur. Ça fait mal, maman. Oh, mon bébé, je sais. Je sais. Mais tu n'es pas forcé de souffrir. Mon petit garçon. Mon merveilleux et talentueux petit garçon. Je t'aime tellement, mon grand Riley. Je t'aime aussi, maman. Alors viens et tu seras avec moi. Il suffit que tu te laisses aller. Repose-toi. Essaie de dormir. Et tu seras avec moi. Pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est bien, mon bébé. Reviens à la maison. C'est le grand jour, chérie, tu déménages. C'est le moment pour toi d'aller dans une chambre normale. On est aux urgences, jeune homme, pas au grand hôtel. Et tu vas mieux. Il faut faire de la place pour les personnes qui arrivent. T'as de la chance d'être en vie, tu sais. Tu étais mort. Au bloc opératoire, ils t'ont ramené à la vie. Est-ce que j'étais mort? Ton petit cœur s'est arrêté pendant 17 longues minutes. T'as entendu des voix? T'as vu une lumière blanche? Et maintenant, t'es en vie. Il doit y avoir une personne qui t'aime bien là-haut. Merci. De rien. Et mon père, il est mort, hein? Pas maintenant, chérie. J'ai vu cet homme lui tirer dessus. Je sais qu'il est mort. Je suis pas un bébé. J'ai vu sa tête exploser. Il est mort, hein? Stop, mon chéri, tais-toi. Ça te fera juste souffrir d'en parler. Où est ma mère? Arrête de t'énerver, fiston. Calme-toi. Tu entends? Dormir, mon petit.
Regarde, je t'ai amené des fleurs. Monsieur, les fleurs ne sont pas autorisées ici. Vous êtes de la famille ? Je suis un ami de la famille. Pour les proches, c'est à partir de 7 heures. Ce jeune homme doit guérir et vos fleurs ne vont pas l'aider. Rentrez chez vous, vous pourrez revenir demain matin et laisser vos fleurs là-bas. Tout va bien, chérie. Tu peux te rendormir. Tu les vois, toi aussi, hein? Les gens morts. Toi aussi, tu les vois? Bien sûr. Comment tu t'appelles? Riley Everson. Moi, c'est Kazé. Thérèse, t'es mort combien de temps? 17 minutes. Comment tu le sais? Ça se voit tout de suite. Moi, c'était juste 6 minutes. Toi aussi, t'étais morte? Tous les gens bien sont morts et sont revenus, tu crois pas? Toi, t'as besoin de t'asseoir. Alors, t'es mort comment, toi? On m'a tiré dessus. C'est pas vrai. Qui voudrait tirer sur un gosse? Il a tué mon père et... peut-être ma mère. Je crois que je suis le seul à être en vie. Oh merde, c'est horrible. Et toi? Comment est-ce que tu... Comment je suis morte? T'as essayé de te tuer? Non, tu vois, pendant 6 minutes, j'ai réussi à me tuer. Pourquoi? Parce que tout le monde nous ment. Les gens nous disent qu'ils nous aiment quand ils attendent quelque chose de nous. Alors, pourquoi tu crois qu'on peut voir ces gens? Je veux dire, les gens morts. Ça fait un moment que j'y pense. Et je crois que... qu'ils se sont perdus quelque part entre où on vit et où on meurt. Peut-être qu'on peut les voir parce qu'on y est allé. Je pense qu'ils savent où on est allé et qu'ils veulent qu'on leur donne des infos. Je suis pas sûre qu'ils sachent qu'ils sont morts. J'ai vu ma mère. T'en es sûre? Quand elle m'a touchée, je pouvais la sentir. Elle était très froide. Et elle t'a dit quelque chose? Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle voulait que je sois avec elle. Sauf que... elle est morte et je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais peut-être qu'elle est pas morte. Peut-être bien. Tu devrais dormir un peu. T'as super mauvaise mine. Mais si tu te sens seule ou si t'as peur cette nuit, viens voir Kazé, ok? T'es sûre? Faut serrer les coudes entre morts vivants, non? T'as raison. Bonne nuit, Riley. Ouais, bonne nuit. Bonjour, Riley. Ouais, salut, maman. Tu me manques, chérie. Mais tu es morte. Chut. Tout se passera bien, mon chéri. Je te le promets. Je voudrais que tu fermes les yeux, que tu te détendes et que tu t'endormes. Je suis très fatiguée. Alors viens, mon bébé. Je veux que tu partes avec moi. Tu ne sentiras plus aucune douleur. Détends-toi, laisse-toi aller. Tu n'auras plus mal. Laissez-le tranquille! Riley, réveille-toi! Elle veut que tu meurs. Elle veut que tu meurs pour être avec elle, la laisse pas t'emmener. On se réveille, la marmotte?
c'est l'heure du petit déjeuner. Casey, sois gentil, laisse-le tranquille. Va dans ta chambre et prends ton petit déjeuner. Allez, plus vite que ça. Laisse ton ami tranquille, il a besoin de guérir. Je te verrai tout à l'heure, Riley, ok? Cette fille va t'amener des ennuis, jeune homme. Alors je te suggère de bien garder tes distances. Je la trouve gentille. On dirait qu'elle a fini le travail. Casey. T'es pas là-dedans, hein, gamin? Thank you.
Ok. Je l'ai trouvé! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh mon Dieu! Le jeune est en vie, allez chercher un fauteuil! On va s'occuper de toi, Monty. Tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mort? Mort? Tu n'as jamais été autant en vie. Mais eux... Ouais, ils sont tous morts. Je veux sortir d'ici. Est-ce que tu crois qu'on peut échapper à l'avenir qui a déjà été raconté? Alors cours, Riley. Cours, mon garçon, maintenant. Cours. Va-t'en, petit enfoiré.